sous le soleil de Miami. Bonjour, je m'appelle Caroline et lorsque je pars en vacances, j'aime toujours amener avec moi quelques souvenirs pour me rappeler les bons moments passés et rendre mes amis envieux. Je plaisante. Aujourd'hui, je vais vous emmener faire du shopping dans les boutiques de Miami. Faire les magasins dans le luxueux Bal Harbour Shop, c'est comme se retrouver dans un jardin anglais ou dans un parc très très bien entretenu. Joindre l'utile à l'agréable tout en profitant d'un environnement relaxant au milieu des magasins de luxe. La compétition pour obtenir pignon sur rue ici est sérieuse. En 1977, Gucci y a ouvert sa première boutique au sein d'un centre commercial et très rapidement l'ont suivi Cartier, Bulgari, Louis Vuitton et Prada. Et plus récemment, Yves Saint Laurent a choisi le Bal Harbour comme endroit pour sa première boutique concept des États-Unis. Un autre centre commercial en plein air est le village de Merrick Park. Son côté très artistique en fait un endroit vraiment sympa pour une balade et ses magasins sont magnifiquement éclairés le soir. Parfois, ce qui est appelé les Champs-Élysées de Miami, soit Lincoln Road, n'est pas seulement un endroit sociable de Miami Beach, mais une place absolument fantastique pour faire les magasins. Cette rue piétonne offre la parfaite combinaison du shopping mélangé à une jolie visite. Avec une large variété de magasins et de petites boutiques comprenant les meilleures marques, Lincoln Road fera le bonheur de chacun. Faites une pause pour le déjeuner dans un café et assurez-vous de prendre le temps de vous inspirer du style de mode de chacun. C'est Miami. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut et même plus encore au centre commercial Aventura Mall. Ce centre commercial de haut standing est le troisième le plus large des États-Unis. On y trouve les griffes les plus luxueuses. On y trouve également des dizaines de restaurants. Miami rend le fait de faire les boutiques un vrai plaisir. Vous allez devoir songer à faire de la place dans vos valises car il est impossible de repartir les mains vides.